Elle se lance. Elle est lancée. Voilà, salut YouTube, salut tout le monde. Waouh. J'ai la voix éclatée. J'ai la voix éclatée avec le live de dimanche, c'est terrible. Bon, aujourd'hui, on va faire un petit briefing vite fait sur ce qui est en train de se passer. Il y a Wakfu qui a proposé de changer quelques trucs, dont surtout la maîtrise mono et la maîtrise zone. Et je voulais qu'on voit ça ensemble avant de démarrer le live. Donc Mido, je sais pas, tu veux rester peut-être en sur le stream? Enfin, tu veux rester sur le stream? Tu veux passer en vocal maintenant? Je lis un petit peu dans mon coin comme ça, t'es là. Tu me dis, hein. Si j'ai bien compris, beaucoup veulent pas parce qu'ils ont peur de perdre leur stuff sur lequel ils ont tout investi. Ça, je le comprends de ouf. Tu te rends compte, si t'as investi des millions sur des stuffs et que deviennent complètement useless, faut voir. Après, il y a pas mal de choses que j'ai vues dans la lecture. Attendez, on va lire ça ensemble. Parce que c'est quand même pas rien, c'est important. En écrit, ouais, ça marche, ok, on fait ça alors. Ok. Bon, on va partir là-dessus. Ouais, ça va, je vous gêne pas, donc c'est nickel. Je vais zoomer un petit peu. C'est bon. Attends, au pire, sinon, ce que je peux faire... Attends, j'ai une meilleure idée, en fait. J'ai une meilleure idée. Je vais garder ça. Ouais, non, je vais le laisser comme ça et on va lire ensemble. C'est bon. Yo Valso, comment tu vas? Au pire, on se le met là. Voilà, on se le met comme ça, là. Et on va se lire ça. Vas-y, on va lire ensemble, hein. C'est la guerre MDR. Bah ouais, j'imagine. Avec ce qu'ils viennent d'envoyer, je comprends. Je me prends un petit cachet parce que j'ai vraiment mal à la tête. C'est un truc à faire fondre dans la bouche, donc ça va. Donc je vais un peu galérer à lire, mais ça va aller. T'en penses quoi, toi, Valso, de ce qu'ils veulent faire? Moi, je trouve ça intéressant. Mais on va le lire. Nous souhaitons vous travailler les maîtrises mono-cibles et zones depuis quelques temps. Il est l'heure de vous partager nos différentes idées et de demander votre avis. Et ça, c'est génial. Moi, rien que le fait qu'ils demandent mon avis, oh, je vous aime, les bros. C'est super gentil. C'est trop cool qu'ils demandent des avis. Il y a quelques temps, on a publié un dev blog sur l'équilibrage des classes et notre vision des priorités. Parmi les sujets abordés, nous proposions de retirer les maîtrises mono et zone. Pour rappel, voici ce que nous vous disions. Nous comprenons qu'un grand nombre de joueurs utilisent ces deux caracs. Les modifier rendrait un grand nombre de builds actuels caduques. Cependant, dans notre équipe, nous remettons régulièrement en question la pertinence de ces deux caractéristiques. De notre point de vue, elles contraignent le joueur à choisir des sorts différents et à surspécialiser. La surspécialisation n'est pas un mal, mais là où les maîtrises mêlées distance ou dos impliquent des modifications profondes, Berserk aussi je trouve, sur la manière de jouer, les maîtrises zone et mono ne font que restreindre les choix des joueurs et leur font composer des decks rigides. Totalement vrai avec ça. Moi je le vis super mal. Il y a plein de sorts que j'ai pas le droit d'utiliser à cause de ça et ça me fout les boules. Quand tu prends genre le SRAM, regarde, genre le SRAM, bah, mise à mort qui est sursexuel, j'ai pas le droit de l'utiliser. Et ça me fout les boules parce que j'adore ce sort, mais je peux pas. Voilà. Alors, il n'y en a pas 3 milliards, hein. Il y a filouterie, mise à mort et châtiment? Non. J'en ai pas beaucoup de mon côté. Ou pénétrant aussi. Mais c'est super frustrant, en tout cas de mon côté, de pas avoir le droit d'utiliser ces sorts. Vraiment, ça me fout les balls, sincèrement. Donc, moi, je serais heureux. Mais faut voir la suite. Après, je joue pas depuis des années, donc ça m'impacterait beaucoup moins. Nous avons ensuite publié un sondage où nous vous demandions si vous souhaitiez voir les maîtrises retirées. Si oui, si elles devaient être simplement remplacées par d'autres maîtrises ou bien si les objets devaient être rééquilibrés sans vous les partager. Point. Sans vous les partager, les résultats ont été négatifs en grande majorité. Il est possible qu'une partie des résultats ait été impactée par l'éventualité d'hériter d'équipements obsolètes. Et ça, c'est vrai. Genre, ça fait trop flipper. Si d'un coup, t'as tous tes persos... C'est... Franchement, tu peux le vivre comme un hack, en vrai. T'as tous tes persos, ils sont stuff. D'un coup, tous tes stuff, ils sont obsolètes. Bah, t'es pas hack, mais presque, quoi. T'es une merde. T'as plus rien. Et c'est terrible, hein. Ça, je le comprends de ouf, hein. Dans cet article, nous allons vous exposer davantage ce qui pourrait être mis en place concrètement, car nous pensons nécessaire de retirer ces maîtrises pour le bien du jeu. Nous souhaitons vous présenter quelques données, tout d'abord. 886 objets uniques sont concernés. Nous parlons ici de reliques, épiques, souvenirs ou bien lots d'objets. Si la coiffe bouffe tout comporte 4 raretés différentes, elle ne comptera que pour un objet dans les 886. Ok. Ça c'est cool. Je vais baisser peut-être un petit peu la musique, vous me dites. En tant que Uber Mage, en vrai c'est banger. Ah bah les mono et zone. Moi je pense aussi. Mais je peux comprendre, tu vois. Après, s'ils font ça, ils vont pas te niquer derrière, tu vois. Ils vont tout faire pour que ce soit un peu équitable aussi, et ça a du sens, tu vois. Alors, 521 objets uniques comportent de la maîtrise mono ou zone, ainsi qu'un autre type de maîtrise, mais les distances critiques sont inversées. Ça laisse donc 365 objets, soit mono, soit zone.
Là, on parle de 365 objets qui ne donnent que ça. Ils donnent rien d'autre. Enfin, ils donnent aucun autre bonus de dégâts. C'est quand même vénère, tu vois. Lorsque nous concevons ces objets, les caractéristiques ont un poids. C'est ce qu'on parlait la dernière fois d'ailleurs, je vous en avais parlé un petit peu du fait que les objets en fait, ils ont un poids entre eux et ils dépasseront jamais le seuil pour pas être surpuissants par rapport à d'autres. Pas comme dans Dofus par exemple où les nouveaux objets, ils détruisent les anciens. Genre les objets 200 d'il y a 5 ans, ils sont complètement useless quoi. L'objet ne peut pas dépasser un certain poids. À l'heure actuelle, nous avons établi sur tous les objets une règle afin de renforcer les doubles spécialisations. Ainsi, un objet uniquement mêlé aura 100 de maîtrise mêlée. Tandis qu'un objet mêlé plus mono aura 75 de maîtrise mêlée et 75 mono, pour le même poids. Ce qui fait que tu passes à 150 au lieu de 100. C'est logique, c'est une surspécialisation. Donc bon, ça a du sens. Yo Happy, toujours pas Excarnus, c'est normal, on l'a pas refait depuis. Genre, on attend vraiment de le passer en live avec Excarnus. Donc dès qu'on a fini de lire ça et qu'on répond au sondage, on se le fait. Voilà, t'inquiète, t'inquiète, on va s'y mettre. Mais on est hypé de ouf, hein, on a préparé un peu des stuff et tout. Oh, tu vas voir, ça va être scandale. Hein. Donc par exemple, la V-Cap, 173 maîtrise mêlée, et la Ortiz, 120 maîtrise mono, 120 mêlée. Donc ça fait, ouais, ça fait 240, c'est beaucoup quand même. Hein. Et donc là, en gros, au lieu de 240, dans le cas de ces 121 objets, le but serait de répartir équitablement cette maîtrise mono ou zone vers les autres maîtrises de l'objet. On reprend l'exemple précédent, il y aura 150 de maîtrise mêlée, ça serait donc incohérent avec le reste des objets qui, eux, auraient 100 de maîtrise. La première chose est la suivante. Nous engageons à faire évoluer la formule et les capacités de tous les objets du jeu afin que personne ne perde de maîtrise totale. Ça, c'est beau. Ça implique de rééquilibrer tous les objets du jeu sur la même base. C'est vénère. Si vous aviez un build sans de mêlée, vous aurez une grande augmentation de vos maîtrises totales. Oh ouais. Si vous aviez un build mêlée mono, vos maîtrises resteraient les mêmes. Bah, c'est stylé en vrai, hein. L'idée est très bonne. Hein. Donc là, en gros, ouais, c'est ça, ça. Ah ouais, ça augmenterait de ouf en fait. Ouais, attends, il y aurait une augmentation de puissance sur vénère s'ils font ça. T'imagines? En fait, là, tu vois, tu gagnes grave en vie et tout. Attends, tu gagnes en vie. Là, tu gagnes quoi? De la res. Ouais, c'est... C'est ça, hein. Je sais pas. Il y a du tacle aussi, j'avais pas vu. Non, franchement, c'est pas mal. Ça fait deux objets, quand même, qui peuvent servir dans les deux cas, c'est pas mal. En revanche, il reste 361 objets purement mono ou zone. Pour l'heure, nous n'avons plusieurs solutions. Elles ne sont hélas pas toutes satisfaisantes. Comme d'hab, hein, y aura toujours des déçus, c'est normal. Faut que le jeu, il évolue. Parce que même si t'as vécu avec un truc et tout, tout ton Wakfu, ce qui n'est pas vrai parce que Wakfu a pas arrêté d'évoluer, bah ça veut pas dire que c'est bien. Et même si c'est vrai que t'as investi dedans, il faut du changement des fois. C'est un peu comme les classes, quand t'as une modification de classe, des fois t'es obligé de changer de classe. C'est dur, hein. Récupérer les données des équipements des joueurs et essayer de coller au build récurrent des joueurs, ce qui est pas bête. Faire de tout nouveaux objets à partir de ces objets-là, en utilisant par exemple l'armure donnée reçue. Ce qui voudrait dire que là, par contre, ça voudrait dire que il y a des items qui deviendraient obsolètes pour certaines personnes. Ça, ça fait mal. Remplacer la maîtrise mono ou zone par une nouvelle maîtrise. Ça, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée, mais... Je sais pas. Il y a déjà beaucoup de maîtrises en vrai. Hein. Par exemple, maîtrise activée si PV du joueur sont supérieurs à 80. En plus des objets, il y a de très nombreux cas particuliers. Brasero, brutalité, embuscade du SRAM. C'est-à-dire... Nous est impossible de vous détailler les modifications que nous acterons. C'est-à-dire ça, ça j'ai pas compris. Si vous avez une réponse là-dessus, je veux bien savoir. Je sais pas ce que ça veut dire. Genre, même embuscade du SRAM... C'est quoi, c'est le dos en gros? Embuscade... J'avais vu un truc embuscade à un moment. Non, c'est excroquerie. Point faible. Embuscade? Ah, maîtrise zone, c'est ça en fait, ok, d'accord. Ah oui, c'est genre les passifs qui donnent de la maîtrise zone... Enfin, de la maîtrise zone mono et tout, ouais. Ok, ok, ça a du sens. Logique. On a conscience que l'acquisition d'objets est chronophage sur Wakfu. Oui, c'est le but du jeu. Cependant, nous avons aussi comme projet de toujours développer davantage les possibilités des jeux, de jeux des classes. L'exemple le plus parlant est de nouveaux systèmes de passifs, où les passifs ne sont pas restreints à un type de spécialisation. Nous ne voulons pas que tous les personnages se ressemblent et aient une façon de jouer uniformisée. Et là, c'est un petit peu le cas des fois. Genre, le SRAM, il a quelques manières de jouer différentes, mais la plupart du temps, tu vas le jouer toujours de la même manière. Nous souhaitons que chaque personnage ait les propres histoires, propres carac. D'autres chantiers sont prévus à long terme et visent à étendre toujours davantage le périmètre des possibilités. C'est génial, c'est trop trop bien ce qu'ils veulent faire. J'aime beaucoup l'idée qu'ils se penchent là-dessus parce que c'est une question très difficile, très violente aussi pour certains. Et c'est osé, hein. C'est vraiment couillu et je trouve ça bien. Il s'agirait aussi d'un chantier plutôt long, même si la solution présentée ici semble automatisable en partie.
et nous aimerions le réaliser avec la sortie du serveur monocompte. C'est important. Si la commu a une réaction positive à notre proposition. C'est pourquoi nous vous proposons un nouveau sondage très rapide pour mieux comprendre votre ressenti à la suite de nos propositions. Let's go, on va se faire le sondage. Brutalité est une sublime basée sur la maîtrise mono, zone et bras zéro. Une sublime mono. Merci Valso, merci. Mais c'est normal qu'ils veulent faire autant de changements pour monocompte. Pour eux, le monocompte, c'est... Et c'est vrai, il faut surtout pas qu'ils ratent le coche du monocompte. C'est la seule possibilité pour que Wakfu renaisse, qu'on va pas se mytho, le jeu il est vivant, mais il a pas une hype de malade, pourtant il est exceptionnel. C'est le monocompte. Le monocompte doit marcher. Et je veux absolument qu'il marche tellement le jeu est bien. Vraiment, je souhaite qu'il marche. Alors, on va se faire ça sérieux. Votre avis nous intéresse. Nous souhaitons consulter au sujet de l'avenir des maîtrises mono-cibles, ok? Le sondage prendra quelques minutes. Dites-moi vous aussi hein, vos réponses, s'il vous plaît. Hein. Genre, là, on va se faire le sondage ensemble. Je voudrais que vous me donniez vos réponses pour que je sache un petit peu ce que vous en pensez, tu vois. Alors, ne répondez à ces questions qu'après avoir pris connaissance du devlog. Bien joué, ça, c'est important. Donc ça, on l'a lu, hein. C'est bien celui-là, hein. Ouais, ça c'est important, hein, parce que Incarnam et Astrub, autant Astrub ça me va, autant Incarnam c'est vraiment de la merde. C'est dommage parce qu'il y avait un super Incarnam à une époque, pour le monocompte, car c'est vraiment l'enfer. Ouais, ouais, de ouf. Rien que le tuto, oh, c'est un enfer. J'avais regardé, il y avait une vidéo de Noza, et franchement, je vous la mets parce qu'elle est géniale. Elle dure 2 heures, donc vous la regarderez vous. C'était Nozada Replay, je crois que j'avais, c'était... Ouais, les VOD. En fait, il était en mode. C'était quoi? En fait, il était en mode sur le tuto du départ. Est-ce qu'il est bien ou pas? Et en fait, il a vraiment analysé à donf le tuto. J'ai trouvé ça trop trop intéressant, trop trop bien. Genre analyse, voilà, de l'early. Franchement. Si à un moment vous faites chier et tout, matez ça parce que c'est trop agréable et trop intéressant. C'est donc il est vraiment en train de faire le début du jeu, le tout début avec Incarnam et tout, et analyser le tuto en mode, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Il va noter tous les trucs et tout, et la commu l'aide et tout. Enfin, je trouve ça trop cool. C'est trop intéressant. Enfin, un bon truc à mater. Salut Drenachan! Ça regarde du Stargate SG1 là-bas, cette série. Comment tu le sais? Où est-ce que c'est marqué? Je sais plus où c'est marqué. Ah, c'était là? Non, c'est pas là. Je sais plus. Mais ouais, ouais, on est en train de mater Stargate. On vient de commencer, mais on galère de ouf à trouver les épisodes. Ah oui, c'est vrai. Mais on galère de ouf, Drenachan à les trouver, c'est horrible. Les premiers, surtout, les deux premiers épisodes, c'est une galère. Mais c'est trop intéressant à regarder, ouais. Excarnus, c'est un boss ultime. C'est le premier boss ultime. Attends. Excarnus. Oh putain, Drenachan, trop stylé. Y'a pas les chats. Attends. C'est un peu pareil au final. Voilà. Putain, t'as tous les épisodes trop stylés. On pourrait peut-être en parler, je sais pas si t'as moyen de me les envoyer, mais j'aimerais bien en avoir un ou deux. Surtout les premiers quoi. Et donc ouais, je disais, Excarnus, c'est cette bestiasse de ses morts qui tabasse vraiment très fort et on galère. Un boss ultime, c'est vraiment vénère. Franchement, Drenachan, dès que t'as l'occasion, je te conseille de le faire, c'est trop intéressant. Mais là, on est sur le sondage. Hein. Juste le tuto, j'avais fermé le jeu, heureusement que tu m'avais fait passer ça. Ouais, j'ai... Hello there. Mido a arrêté le jeu à cause du tuto, pour vous dire à quel point c'est important. Genre, le tuto, il est mauvais. Parce que ça fait arrêter le jeu à des gens. Ouais, la pizza aussi, Valso, c'est vrai que c'est vénère. Mais ça va, c'est secondaire, tu vois, c'est pas obligatoire la pizza encore. Yokenor, comment tu vas? Pour ceux qui viennent d'arriver, on est en train de répondre au sondage de Wakfu sur comment fonctionnent les dégâts mono et zone. Voilà. C'est super important. Le tuto, ça va, il est bien... Juste simple à comprendre. Bah, je suis pas trop d'accord en vrai, Drenachan. Moi, je le trouve un peu chaotique en vrai. T'as des combats qui sont un peu bordéliques. Attends, je vais.
Je sais pas si je peux te l'envoyer. Si je t'envoie ça, ça t'envoie le tuto ou pas? Genre le... Non, ça t'envoie le tuto, ça t'envoie le sondage. Dis-moi si ça marche avec le sondage, sinon je t'envoie un autre truc. Attends, j'ai une meilleure idée. Attendez, cliquez pas dessus. Pour ceux qui l'ont pas lu, cliquez plutôt là-dessus. Parce que là, au moins... Ah, t'as le sondage? Ok, nickel. Ah, faites-le avec moi, comme ça on le fait ensemble et on y réfléchit, tu vois. C'est ça qui est cool. C'est le but. Donc, on repasse sur le sondage. Hein. Évaluez votre intérêt pour les propositions suivantes concernant les 521 objets possédant plusieurs maîtrises. Par exemple, mêlée plus mono-cible. Donc là, on parle vraiment des items qui ont la mono et par exemple, bah, mêlée. Ou par exemple, distance, zone. Ce genre de truc. Oui, je préférais Ryuka aussi. L'ancien tuto, je comprends pas, il était génial. Le tuto d'Incarnam de l'époque, il y avait des petits trucs cachés, des petits secrets, c'était génial et il n'y est plus. Dommage. Alors, maîtrise mono-cible et zone sont réparties sur les restes des maîtrises de l'objet, incluant un rééquilibrage global de tous les objets, uniquement mêlée ou uniquement distance. Le truc, c'est que j'aime bien l'idée, mais ça me frustre un peu de me dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses à réfléchir, tu vois. Il y a moins de personnalisation dans un sens, et ça... Ah, ça me manque un petit peu. Je pense que ça simplifie un peu trop la recherche de stuff, non? Vous en pensez quoi là-dessus? Ça simplifie pas trop la recherche de stuff si je modifie pas la carac? Moi, ouais, peu intéressé aussi, ouais, genre... Genre, ouais, s'il y a que ça, ça va. Mais c'est un peu frustrant, tu vois. Tu vois, genre, bof, quoi. Ensuite... Les maîtrises mono-cibles et zones sont remplacées par de nouvelles maîtrises. Par exemple, maîtrise activée si les PV du joueur sont... C'est supérieur? Supérieur à 80%. C'est supérieur, on est d'accord. Hein. Donc, c'est bien, mais en fait, ça... Ouais, c'est bien, ça fait un peu penser à Carnage. Vous savez, les sublimations Carnage qui donnent... Attends. J'en ai une là sûrement en plus. Genre... Genre sublimation carnage, lorsque les PV sont supérieurs à 90%, 15% du niveau de maîtrise élémentaire. Ça fait un peu penser à ça en vrai. Hein. Leur sondage est compliqué un peu à comprendre. Je comprends pas tout de Wakfu. Alors ils m'ont un peu perdu avec leurs mots. Bah si jamais Drainashan, je suis là aussi pour t'aider si tu veux. Après c'est vrai que si tu sais pas trop, ne le fais pas non plus. Mais n'hésite pas à poser des questions, on est aussi là pour ça. Hein. Je connais pas bro. Derrière tes passifs et tes sorts seront uniques. Et viendront faire de ton perso ce que tu aimes jouer. C'est vrai, Valso. Mais j'ai quand même peur que les joueurs jouent un peu trop les mêmes stuff. Parce qu'il y a vraiment des stuff qui sortent du lot, tu vois. À voir. Moi, j'aime bien l'idée, franchement. Moi, je suis intéressé quand même parce que je me dis... Ça le 80% de vie max, par exemple, modifie vraiment ton gameplay. C'est un peu comme Berserk. Tu vas moins prendre de risques. Tu vas faire plus attention à certaines mécaniques de jeu. Il y a certains boss qui vont te dire « Eh, bro, tu joues avec moi comme ça, je te démonte la gueule. » Ça me plaît. Franchement... En vrai, je suis même très intéressé par ce genre de truc, tu vois. Parce que là, ça change vraiment la dynamique. Et tu peux jouer un SRAM normal, tu peux jouer un SRAM Berserk, tu peux jouer un SRAM full vie, qui va devoir se cacher beaucoup plus, avoir plus de PM, tu vois. J'aime bien l'idée, je suis vachement intéressé par ça. Ça, un peu moins, tu vois, ça fait trop simpliste. Pour Wakfu. Voilà. Après, je comprends le fait que ça risque d'être un peu plus bordélique. Mais il y a énormément de stuff, t'es pas obligé de jouer comme ça. Donc... Moi, j'aime bien l'idée de prendre des risques, mais avoir plus de bonus. Genre, la maîtrise Berserk, je la trouve géniale parce que tu gagnes beaucoup plus en dégâts. Mais en même temps, les risques que tu prends, ils sont vénères, tu vois. Ah, j'aime bien. Il faut que les stuffs soient différents. Ouais, mais t'as pas peur qu'on revienne à la même chose? Genre, ah, je peux pas jouer cet item parce qu'il a telle maîtrise. Bah, en fait, non, pour une raison, Mido. C'est que, moi, le problème qu'il y a, c'est que les bonus que tu choisis t'interdisent de jouer tes sorts. Et pour moi, il est là le problème. C'est le fait de ne pas avoir le droit de jouer mes sorts. Genre, j'ai vraiment envie de jouer mise à mort. Mais j'ai pas le droit. Parce que si je joue mise à mort, je joue que 3 sorts dans le jeu. Voilà. Je joue mise à mort, je joue filouterie, je joue... Et je joue coup pénétrant. C'est tout. Tous mes autres sorts, ils sont mono-cibles. Donc c'est où je joue zone, où je joue mono-cible. Zone, 3 sorts. Mono-cible, 10 sorts. Voilà. Donc, c'est... Ouais, alors que... Le mode 80% de vie, par exemple, fait que, peu importe, je peux quand même jouer tous mes sorts. Ça change rien. Ça change ma façon de m'adapter au combat. Et ça, c'est important. C'est très différent, je trouve.
Après, c'est mon avis, mais c'est super intéressant comme question que vous posez, parce que ça fait vachement réfléchir, tu vois. Je comprends ça, c'est pour ça que j'ai mis neutre. C'est pas nul comme idée, mais mitigé, je vois. Ok. Voilà, pour ça, je comprends la mitigation de l'idée. Hein. Mais j'adore. Pas forcément sur 80% de vie, hein. Mais il y aurait d'autres mécaniques à prendre en compte. Je sais pas lesquelles. Mais tu pourrais en avoir d'autres qui sont intéressantes. Par exemple, même... Non, j'ai pas d'idée. Bref, c'est très bien. Évaluez-vous votre intérêt pour les propositions suivantes concernant les 305 objets possédant une seule maîtrise. Donc là, on parle vraiment des items qui n'auraient plus rien du tout, quoi. Qui se deviendraient obsolètes complets. Et ça, c'est vénère. Ça, c'est vénère. Parce que là, tu dois réfléchir à... Est-ce que tu mets une nouvelle cara qui n'a rien à voir? Et donc, l'item n'a plus rien d'intéressant pour la personne qui l'a. Ou tu mets... Tu remets une ancienne carac pour que la personne soit moins lésée, je dirais. Je pense que c'est quand même bien de mettre une ancienne carac. C'est bon, je suis sur PC, je vais pouvoir envoyer des pavés en un message. Let's go, vas-y Valso. Je suis chaud de ouf. Là, pour ça, tu peux carrément. Tu peux carrément. Je lirai pas à 100% tous les pavés, hein. Mais enfin, je vais les lire, mais je les lirai pas à voix haute. Hein. Moi, de mémoire, je fais équilibre. Gros, je partage sur tout. Ouais, je vois, Kemnor. Mais c'est... Pour maximiser les dégâts, c'est pas intéressant. En vrai, c'est cool quand tu veux jouer et tout, tu sais, faire plein de trucs que tu veux et tout, c'est super bien. Mais quand tu veux maximiser un peu tes persos, tu peux pas faire ça. Donc, pour moi qui suis un gros joueur avec mon SRAM, je peux pas le faire malheureusement. Donc, c'est très frustrant de devoir choisir, tu vois, entre les deux. Ouais, full invoke, mais faut être full invoke. Genre, t'as l'Ossa, quoi. Les autres, tu peux pas trop, quoi. Alors, récupérer les données des équipements des joueurs et essayer de coller au build récurrent des joueurs. J'aime bien cette idée, parce que, tu prends un exemple, un build mêlée, tu vas pas lui mettre un build, enfin, un délire distance derrière. Si tu restes sur l'idée de, enfin, de mono-cible, ah non, mais c'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Ou alors, ouais, les builds, hein, j'aime bien l'idée en vrai. C'est intéressant parce que, en gros, si une cape qui donne de la maîtrise zone, elle est sur un build qui est souvent mêlée, eh ben, là, ils vont rester sur coller à un build mêlée. Par exemple, donner de l'armure. L'idée est bonne. Ça, c'est bien, je trouve, pour l'instant. Là-dessus, je suis intéressé. Je suis pas très intéressé. C'est dur d'être très intéressé. Mais je trouve l'idée bonne. Intéressé, ouais. Vous comprenez un petit peu, ça va pour les autres? Genre, n'hésitez pas, hein, si vous pensez quelque chose là-dessus. Donc là, on parle vraiment de d'enlever mono-cible et de mettre quelque chose qui colle à une cape qui jouait sur un build distance. Ou corps à corps. C'est logique. Et ça permet de pas remettre directement juste mêlée distance. C'est pas mal. Faire de tout nouveaux objets à partir de ces objets-là, en utilisant par exemple l'armure donnée reçue. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. T'inquiète, Ryukia, t'inquiète. Focus. Stay focus, c'est super important ce que tu fais en vrai. T'inquiète, t'inquiète. De toute façon, t'entends, c'est super cool. Merci en tout cas de me le dire. Nouveaux objets à partir de ces objets-là. Je pense pas que ce soit une si bonne idée que ça. L'idée est cool. L'idée est cool pour nous, parce que nous, on est des petits joueurs de base. On n'a pas assez avancé dans l'aventure. Mais je trouve qu'elle est très pénalisante pour les très gros joueurs, pour les gens qui ont fait tout leur modulé. Elle est trop pénalisante, cette idée. À la limite, tu fais les prochains donjons et tu crées des nouveaux stuff, mais ça, c'est pas ouf. Ça, je pense pas que ce soit ouf du tout. Dites-moi ce que vous en pensez là-dessus. En attendant, je lis Valso. Je veux juste donner mon avis sur Berz. Ah mais j'y suis pas encore. Attends, ils en parlent après ou pas de Berserk? Valso, ils en parlent après ou pas? Que je te lis maintenant ou après? Vraie question. J'ai mis neutre pour ça. Genre, parce que s'ils en parlent pas après, je te lis maintenant, comme ça on passe sur Berserk et on en parle. S'ils en parlent après, je le garde pour la suite. Parce que là tu me parles de Berserk alors que je peux pas parler de Berserk pour l'instant. Ok. Ok, ok. T'as bien fait, je le lirai après. Rappelle-le moi. Là, maintenant, Valso, juste là-dessus, t'en penses quoi? Sur modifier complètement les stuff qui sont useless. J'ai mis neutre. Ah, moi, je suis peu intéressé. Hein. Je suis peu, voire pas du tout, parce que... Ils sortent du contenu. Autant, sur le nouveau contenu, faire des nouveaux items avec des nouvelles idées. Et... Voir ce que ça donne, et à la limite, un jour, changer les stuff, tu vois. Modifier les anciens. C'est un peu vénère, mais c'est pas mal pour voir si ça marche bien. Parce que tu vois, à la 80% de vie supérieure, s'il faut, ça va pas convenir du tout, quoi.
Mais ouais, je suis peu intéressé, je vais dire. Je suis pas trop fan en vrai. Remplacer la maîtrise mono ou zone par une nouvelle maîtrise. Bah, c'est la même question que tout à l'heure. Ah ouais, c'est la même question que tout à l'heure, mais seulement sur les objets uniquement mono ou zone. Je suis pas trop intéressé en vrai. Oui, ça serait vraiment bien, Valso, effectivement. Pour la maîtrise armure et tout, tu vois, ça serait stylé. Mais pour moi, c'est un peu donner des équipements de joueurs et essayer de coller au build récurrent. En fait, ça va avec ça dans ma réflexion. Tu vois? Alors, c'est vrai, faire de tout nouveaux objets à partir de ces objets-là, ok. Mais pour moi, ça va. Les deux vont ensemble, en fait, tu vois. Genre, si tu mets de l'armure donnée, tu vas pas le mettre sur un build distance, tu vois. Donc, si une cape servait pour un build distance, tu vas pas mettre ça. Et pour moi, ça va... C'est pas pareil, tu vois. Mettre ces stats qui existent encore, la troisième, c'est créer une toute nouvelle maîtrise. Ça, c'est... C'est bien, mais ça pénalise grave, hein. Ouais, je vais mettre neutre, en fait, pour celui-là. Et là, la maîtrise mono ou zone, par une maîtrise totalement différente. Ça, je sais pas, là. Ça, je pense pas... Ça, je pense pas, parce que ça pénalise beaucoup trop, en vrai. J'aime bien l'idée de créer une nouvelle maîtrise, mais la pénalité sur les gens qui ont investi là-dedans, elle est tellement vénère. Genre, voilà, c'est hardcore, hein. Là, tu dois sacrifier entièrement ton stuff, hein. Ouais, ça non. Ouais, ça, ouais, très intéressé, en fait. Genre, vraiment, c'est très intéressé, neutre, pas du tout. Et là, je suis très intéressé, tu vois. Genre... Les zones où il y avait plusieurs maîtrises, ouais. Mais ici, où il n'y avait qu'une maîtrise, non, parce que c'est trop violent. Ça vous va? Enfin... Genre, très intéressé, neutre, pas du tout. Je suis un peu dans les extrêmes à chaque fois. Hein. Ouais, alors t'as aucune nouvelle maîtrise qui va pas te donner de la rigidité dans ton deck de sort. C'est vrai, on a pensé à des maîtrises diagonales, côté, mais chacune d'entre elles te donne une rigidité. Totalement, Valso, c'est vrai. Genre, tu peux pas faire ça, en fait. Parce que tu pénalises les sorts. C'est vrai que l'idée de base était fun. Mais là, on arrive à un moment où Wakfu est de plus en plus méta. De plus en plus technique. Et où tu peux jouer de moins en moins de sorts au final. Ce qui est frustrant. Rajouter encore des distances. En plus, si tu mets des diagonales et tout. Bah, pas tous les persos peuvent le faire, quoi. C'est vénère. Mais ouais, je pense que... Ouais, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Alors, êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes? Dans le chat, pareil, pas d'accord, d'accord, neutre. Le fait de spécialiser votre personnage vous plaît? Oui. Ouais. Franchement, de ouf. J'adore l'idée de la personnalisation, de la spécialisation du personnage. Je la trouve super intéressante, trop agréable, et ça permet de jouer d'une manière différente des autres, potentiellement. Totalement d'accord, Trixie? Ça marche. Ouais. Les autres aussi, ça va? Mido, t'as voté, t'as mis ça? Comme sur eux, totalement d'accord aussi. Ok. J'enchaîne, hein. Mettez des réponses courtes, hein, parce que là, j'avance, hein. Valso, donc, vu que j'avance un peu, mets peut-être des réponses plus courtes. Neutre, car ça va faire comme la maîtrise zone et mono. Spécialisé, jetterai des sorts à la poubelle. Ça dépend. Ça dépend si ça impacte trop les sorts. Genre, les points de vie, je vois pas trop, tu vois. Les points de vie, je vois pas trop pourquoi ça pénaliserait des sorts, par exemple. Kevnor, t'as pas compris les sondages, toi. Les changements proposés augmentent la diversité dans les façons de jouer à vos personnages. Les changements proposés augmentent la diversité dans les façons de jouer de vos personnages. Bof, là, hein. Là, pas vraiment, on a juste tous le même perso, non? Attends, où je me plante? C'est-à-dire, Trixie, j'ai peut-être pas compris la question, non? Changements proposés... Ah, les changements qu'ils veulent proposer! Ah, les changements proposés augmentent la diversité des façons de jouer de vos personnages. Ah, ouais, ouais, grave, grave. Je mettrais d'accord. Ouais, je mettrais grave d'accord, en fait. Ouais, carrément, carrément. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que même, effectivement, les changements des persos et tout, c'est un truc de fou. Ça colle plus du tout à ce qu'ils avaient mis en place, effectivement. Vous avez raison. La spécialisation proposée par l'équipement devrait diriger la façon de jouer vos persos.
Oui. Spécialisation proposée par l'équipe. Oui, la façon de jouer vos persos, complètement. C'est logique, non? Je sais pas, je trouve ça logique, non? Dans spécialisation. Ça devrait proposer. Ouais, mais pas l'interdiction des sorts à ce point. Un petit peu, c'est logique, mais pas autant. Tu fais des spécialisations. Déjà, t'en as déjà des grosses avec terre, air, eau, feu. C'est déjà des grosses spécialisations en soi. C'est vénère déjà. Tu sacrifies déjà quelques tranches de jeu. Très d'accord et pas trop d'accord. J'ai pas trop d'arguments pour ça, donc je vais juste dire neutre. Ok. Complètement d'accord pour Trixie. Ça marche. Ouais, moi je suis grave d'accord avec ça. Pour le coup. Ah, on arrive sur la maîtrise Berserk, la fameuse. La maîtrise Berserk vous pose problème car elle est trop puissante. Alors ça... Ça, c'est un débat... Je te renvoie à mon message, complètement d'accord. Pour les gros joueurs de Wakfu, je pense que là... Là, il faut parler, voilà, aux gros joueurs, parce que moi, je suis que niveau 100. Avec Mido, on est que 100. On n'a pas de ressenti par rapport au Berserk. On sait pas vraiment si c'est... Qu'est-ce que ça donne à haut level, tu vois. Voilà, on est d'accord, Mido. C'est la même chose, tu vois. Ok, donc, ça tue le jeu. Je déteste les Berserk. Il y a que ça. Punaise. Ouais. Ah ouais, ouais, vraiment, vous êtes... Ah ouais, ouais, je vois l'idée, ouais, ok. Et question, est-ce que vous avez des persos Berserk? Ou c'est parce que vous ne pouvez pas faire de persos Berserk avec vos classes? Ou genre, vous vous sentez obligé de faire du Berserk tellement c'est craqué? Mais genre, ça te frustre? Toutes les classes sont Berserk TSL. Perso, j'aime mon sacré qui est Berz. C'est accessible à tout le monde, mais c'est la facilité. Ah ouais, à ce point? Ok, je vois. Ok, ok, je vais lire le message de Valso parce que c'est vrai qu'il est bien détaillé, c'est intéressant. Alors, je veux juste donner mon avis sur le Berserk. Les Berserk, c'est un enfer. En réalité, THL, tu bypasses le Berz avec Feka et immunité. Tu prends pas de dégâts pendant deux tours. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ça, je suis d'accord. Et les supports qui peuvent mettre 100% armure qui te laissent en Berz. Qui plus est, le Berz est obligatoire si tu veux jouer compétitif et opti. Et pour finir, t'es obligé à chaque début de combat d'enlever et remettre ton stuff pour avoir 50 Berserk. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je vois ce que vous voulez dire. Moi, je trouve ça super désagréable sur les autres classes. Je trouve ça insup. C'est pour ça que j'ai joué Sacri, hein. Parce que Berserk m'intéresse. Mais sur SRAM, j'ai la flemme d'enlever mon stuff à chaque fois, hein. Jamais de la vie, je le fais, hein. Tu peux prendre un build Berz et le merc sur ton ennemi GG, t'as un ennemi DPT. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ok, ouais, vous avez raison. Oh! Non! Reviens à la musique! Non! Mon téléphone, il est là-bas! Bah, je reviens en deux secondes, hein, je relance le truc. J'arrive, hein, deux secondes. Super intéressant, je trouve, le débat qu'on a, il me plaît beaucoup. J'adore avoir des débats comme ça, en vrai. Ça m'énerve, cette histoire de Berserk. Non, Kemner, en fait, c'est par rapport au... Ankama Authenticator. C'est pour ça. Ouais, il m'a fait délirer. Mais c'est Nami, non? Je crois. Placentaire. Placentaire, ça fait penser à Placenta. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, c'est toi, ouais. Excellent. Ça énerve pas juste quelques joueurs compétitifs depuis des années qui ont raison dans leur argument pour le Berserk. Ok, je vois. Donc ouais, compétitif, ça nique tout, en fait. T'es obligé de jouer comme ça. Ça marche. C'est le but du pseudo, t'es génial, Nami. J'adore, j'adore tes pseudos, en vrai. Ouais, bah écoute... Nami a raison, putain, j'avais pas fait gaffe que tu lui donnais raison, salaud. Ouais, je comprends totalement vos arguments. Vos arguments sont super intéressants. Et vous avez aussi raison sur le fait que je sens très mauvais parce que depuis le dernier stream, j'ai pas encore pris de douche, quoi. Donc vous avez raison. Mais bien joué de l'avoir souligné aussi. Je pensais pas que ça arrivait jusqu'au viewer, mais ça me fait plaisir en tout cas que vous le sachiez. Ouais, bah bien sûr, Lucas. Je suis pas un vrai joueur si j'avais pris une douche. Je m'entraîne pour Temporis, tu vois. Genre, on sait très bien, Temporis, comment ça va se passer, hein. Voilà.
pas se mytho, hein. On le dit pas car on est poli, c'est vrai, c'est gentil. C'est gentil, j'apprécie. Mais ouais, je comprends totalement vos arguments. Et je vais mettre d'accord alors. Je vais mettre d'accord. Ensuite, la maîtrise Berserk vous pose problème car son concept ne vous semble pas intéressant. Non, je suis pas d'accord. Il y a une règle d'or pour Temporis, douche pendant les maintenances. C'est vrai de ouf. Totalement d'accord avec toi. Grave, grave, grave. Bon, on se reconcentre deux secondes, hein, maintenant qu'on a parlé des douches et de notre swag temporel, hein. Génial d'ailleurs, hein. On se reconcentre deux secondes sur la fin du débat. La maîtrise Berserk vous pose problème car son concept ne vous semble pas intéressant. Moi, je trouve le concept intéressant. Mais effectivement, il y a trop de détournements. Tu peux trop le détourner facilement et là, vous avez raison. Et c'est pas normal. Bah, en vrai, si, il y a quand même un intérêt parce que c'est une prise de risque. Mais là, il n'y a plus de prise de risque, comme vous me le dites. Moi, j'aime bien le Berserk. Moi, de mon côté, j'aime bien. C'est... J'aime le Berserk, mais je n'aime pas le fait qu'on puisse autant le détourner. Et qu'on doive utiliser absolument ça, donc effectivement, alors, le réduire. À mon level, ça va, mais à votre level, peut-être, ouais. Je vais mettre neutre. Franchement, je vais mettre neutre parce que... De ce que vous me dites, je peux pas avoir un vrai avis, en fait. Pas faux non plus, Valso. Ouais, je vais mettre neutre parce que je ne sais pas. Je ne sais pas encore là-dessus. Mais effectivement, si le Berserk est aussi crackhead à THL, bah ouais, tu joues Berserk, quoi. De ouf, quoi. Et tiens, d'ailleurs, question pour les joueurs THL. Est-ce que la maîtrise de Do, elle est surcraquée aussi? Ou celle-là, ça va, elle est raisonnable pour vous? Genre, ta maîtrise Berserk abus. Maîtrise d'eau à quel endroit? Ouais, elle sera, mais t'as d'autres persos qui l'utilisent. Ouais, c'est Fumax. Mais c'est comme Sacré Berserk. Tu te mets Berserk en une demi-seconde. C'est le but. Pour moi, ce serait le but, tu vois. T'as d'autres classes après qui peuvent le faire. Hein. Genre Sacré, il pourrait passer en mode d'eau. Hein. D'eau, ça va car faut le choper. Il y a beaucoup de classes qui peuvent passer dans le dos des cibles, hein, Ryukia, je trouve. Hein. Franchement, en termes de mobilité, le Zobal, le Panda, le Sacré. Il y a des cibles qui y a des classes qui les tournent, comme l'Ossa. Franchement, je pense que ça va, quoi. Toutes les classes, tu peux mettre Berserk presque. Ouais, aussi. C'est ça le souci aussi, ouais. Pas faux, Ryukia, c'est vrai. Comme vous disiez, hein, tu mets un Eni, Eni DPT, Berserk. N'importe quel DPT, en fait, enfin, n'importe quel perso peut devenir DPT grâce au Berserk. Alors que. À part sur SRAM, personne joue THL Do. Tout le monde joue Berserk THL. Ah ouais, à ce point-là. Ok, d'accord. Ok, ouais. En fait, à cause du Berserk, il n'y a que du Berserk. Donc en fait, la maîtrise Do, elle devient inutile aussi à cause de ça, presque. Ah bah ouais, ouais, logique. Bah oui, parce que, de toute façon, regarde, quand tu regardes les caractéristiques, là, quand tu prends les caracs, ça c'est un truc qui me trigger aussi, hein. Là, tu gagnes 6 de maîtrise, pour la maîtrise d'eau, et en Berserk, tu gagnes 8. Donc déjà, rien qu'en Berserk, t'es favorisé de 2 par niveau. Donc ça, ça veut dire que t'as 19 x 2. C'est beaucoup. Tu vois? Ça fait 40 de maîtrise en plus, quasiment, à 20. Dès que t'as 20, t'as 40 de maîtrise en plus déjà. Au niveau 100. Ça veut dire qu'au niveau... Enfin, au niveau 80. Donc au niveau 200, tu as plus de 80 de maîtrise en plus, uniquement avec les mêmes nombres de points que la maîtrise d'eau. Donc c'est logique. C'est clairement logique que tu prennes Berserk. Même le SRAM Berserk est plus rentable que le dos. Parce qu'au moins, tu peux taper de face. T'as pas d'handicap, en fait. C'est ça, le problème. C'est ça, le problème. Le Berserk... n'a plus d'handicap. Ce qui fait que... bah, c'est trop craqué. Et ouais. Et ouais. Je vais mettre neutre quand même. Elle est trop puissante, je vais marquer complètement d'accord par contre. Ah, vous m'avez grave fait réfléchir. Franchement, vous avez géré pour la réflexion. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup.
Et sinon, bah, pour la berserk, je sais pas s'il faut forcément la supprimer. La mettre au niveau de la... La mettre au niveau de la maîtrise d'eau, vous en pensez quoi? Je sais pas si c'est rentable, tu vois, genre, ça ferait... Bon, on en est où? C'est quoi les points déjà? C'est... Bah là, il y a quoi? Il y a crit, dos, berz. 4, 6, 8. Ouais, je vais finir le sondage, t'as raison. C'est pas fini après, il y a d'autres choses. Oh, votre sentence est irrévocable. Mais non. Mais non, mais non, mais non. Ya, 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 ya. Mais non, c'est trop bien. Merci. ils ont géré de ouf. Ouais, ben bah, voilà. Hein. Ouais, c'était vachement intéressant. C'est super intéressant quand même. Hein. Bah j'ai vraiment hâte de d'en savoir plus, de voir un peu ce qu'ils vont faire avec ça, voir s'ils vont aller au, enfin, s'ils vont réussir aussi le chantier parce que c'est un taf de fou, tu vois. Mais en tout cas, bravo à eux de faire des réflexions là-dessus, parce que c'est vraiment vénère comme réflexion. C'est un taf de fou. Donc voilà, ça conclut le sondage.